Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Je n'entends pas votre amen. Alléluia. Alléluia. Si grand son nom, Itaïma, Itaïma, si grand son nom. Nous allons lire la parole de Dieu. La tonsan karmwenam shebra zini fa wenam shining mamsunti karma tonanagataba kushwenam shukuri. Et après avoir lu les passages que Dieu m'a mis à cœur de lire, nous allons ensemble demander pardon à l'Éternel. Bien avant que tu écoutes la parole de Dieu, demande pardon à l'Éternel. Pour tout ce que tu as eu à faire durant cette semaine. Pour tes murmures et tu t'es attristé avec Dieu. Pour toutes tes pensées et tes regards. Demande pardon à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Daniel, je voudrais qu'ensemble nous lisons dans Daniel au chapitre 6. Daniel chapitre 6. Daniel au chapitre 6, verset 20. Verset 20. La kwezuni wenam sinemam suni la wenam datungom ne tonda. Mais le thème que Dieu m'a mis à cœur, ce qu'il veut nous parler, abe verset pisi va pour mbala. C'est tout dans le verset 20. Alléluia. Alléluia. Kwezuni wenam sinatungom ne tonda, be verset pisi va. Le thème que Dieu veut parler avec nous, c'est tout dans le verset 20. La tonda wa karamajiza taba guamayele tondi. Nous allons lire dans d'autres passages, mais nous allons nous intituler sur le verset 20. La tonne karma verset pisi tirantange verset pisi la table. Nous allons lire de verset 20 au verset 23. Ayeram tisiga sinyege rima yime enkeng taton takigma boknori la yesha onkolo bok ningo Daniel sembiwa azeka kwaiga nesishongo yele wenam sinvitin tumda Daniel. Fouinam fosion wouda tar fan wa tonro fan rafo niki mobi la Daniel le karimaya na wena kaosia mamwinam tuma malek tawa mum kigama noya tipkas jabne mam. Ok, Daniel 6 verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la force. Alléluia. Alléluia. Nakarma Luc chapitre yembre. Nous allons lire dans Luc au chapitre 1. Luc chapitre yembre verset à nous. Luc chapitre 1 verset 5. Luc chapitre yembre verset nous. Luc chapitre 1 verset 5. Chapitre yembre verset nous. Chapitre 1 le verset 5. Nakarma tikanta verset pishi basinge. Jusqu'au verset 20. Il karam dans Luc chapitre yembre verset nous. Nous lisons dans Luc au chapitre 1 le verset 5. Zuna solom naba eror erodon zaman mankuda yembre ndabe tobo neta zakari la ya abibudu la pagaya aron yanga ayura ayura po ne ta elisabete bamobiba fa ya nin tirese wenam tawre. Bam chaka wenam tonga nepton rafa diner katoin dorabie la bamba katarbi tiboin
a irisebe daya kiri la obibe fa kulame la azakari wakata metana man man kutumde wenam dure wenam tawre la bambe mana pande la panda nyaka nyenda wasinsemse man kudum minungu ta kenwenam dure pourin nyo wisida azakari jamawa farape yinga ampuhde wisida nyongor wakati la wena maleka wa azakari nenge nyala wisida nyongor tinkugura ditugo la azakari sinya maleka ayesame tirabe myoka la maleka yela nya zakari daso rabe meti mwen wena mleko fo pusra pi yele ti aminawe dit amen fo paka elizabeth nandika pura nandika ndoka biribila la fo pura fonam puda yure tasha fonam pama shino kasenga anyinga la nebusuko nam pama shinoro aroma nyinga tipoy nyina nyi zusoba nin kasenga la kana nyuram bipum shinyilim ndaninga ye la si song nam pida nyenda sendenga masinanka roga la israel yagansa usugo nantega susoba wenam asa tumna nyinga nyina kensa nyina kena wenam tawre a eli siga la panga na kitame takamane abaramba jemetaba la buidigi sangsom damasti opam yam wanin tirse la shegale nebu susoba wong yinga azakari so kamaleka ya mamna yi wana mpangpon kanse tipoin mamya nikema lampaga me kula me la maleka loka yenda mamya a gabriel sembe wenam tawre bam tuma mam tin watros tifo nanduga nan torfo kweno kanga la kese fonan lebga muka nkana le tonga ngom hatti tada ninga bon kanse sina mpirsa fosin nkatte mam goba yinga la wakata senta bamna mpirsa dabe amen. Luc chapitre 1 verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur inébrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des enfants. Et les rebelles à la sagesse des enfants, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler
jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Merci Seigneur. Nous allons lire dans Juges chapitre 6, verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 7. Pukorba chapitre yobe verset yemri titan yopoi. Juges chapitre 6 verset 1 à 7. Pukorba chapitre yobe verset yemri titan yopoi. Juges chapitre 1 verset 6. Ayeram ti Israël ne ba pega wena zusoba la zusoba kitam ti mandia neba. So bam yuma yopoi mandia neba mana Israël ne ba panga. Ti Israël ne ba zoi ti son tamas pogne la tamsa pour la tamsa put poussin sira neba san keng budbo mandia neba ne amalek neba ne dibni si simbe yanga yitame ntirig bamba bam kenga tenga pourin en sham sira neba ko da fa hatita gaza bam sama sira neba ko da ne pisa labnisa ne point sa fa tiboin bam talaba obniga ne furota wa isira nepa ninge la ya wusogo wasuya ne katwen en son bamba ne biyugoma ma en saye bamwame bamyame bamwame na wa chame tenga mandeneba chese isira neba panga ti isira neba ponsu soba songre la isira neba son ponsu soba top songo ti mandeneba zusoba tuma obnoreshe la nyiwa yela isira neba ya isira zusoba wenna yela meya mam yi sanyam egypte yemudo yemuda pouin. Juges chapitre 6 le premier verset au verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Mandian pendant 7 ans. La main de Mandian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Mandian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Mandian montait contre Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœuf, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Mandian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Mandian. Merci. Alléluia. Alléluia. Si qui nous est barquena. Lève ta main de gloire à Dieu. Ndata wakata point. Je vais dans ces moments. Nyam sanges pour chapitre yo verset a yemre titanga yo pewa. Si vous voyez dans Juges chapitre 6 verset 1 à 7. La sinir fa chapitre a yo verset yemre. Du surcroît le verset 6 au verset 1. Chapitre 6 verset 1. Israël ne va bega su soba. La Bible nous dit que le peuple d'Israël en fait ce qui déplaît à Dieu. Israël ne va bega su soba. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Dieu. Cela a fait que les ennemis ont eu de la victoire sur eux et les amènent en esclavage. Voilà pourquoi Dieu me met à cœur ce matin. Obéis à la parole de Dieu dans Juges chapitre 6 verset 1. Mets-toi dans la parole de Dieu. Ne dis pas que tu n'as pas péché. Personne ne dira à Dieu qu'il n'a pas péché. C'est Dieu seul qui est parfait. C'est Jésus seul qui est saint. Je veux que tous ceux qui sont là ce matin et qui me suivent dans ces moments, venez vous deux, nous allons demander pardon à Dieu. Demande pardon à l'Éternel. Demande pardon à l'Éternel. Avant que tu écoutes la parole de Dieu, demande à Dieu de te pardonner. Et ouvre ta bouche et dis à Dieu que tu as péché. Dis à Dieu que tu as offensé. Si tu dis que tu n'es pas parfait, Dieu te rend parfait. La Bible nous dit
Ce qui est saint, si ce qui est saint arrive, ce qui est imparfait va libérer. Lève ta main et demande pardon à Dieu. Et céleste. Priez de tout cœur. Élevez la voix et priez. Élevez la voix et priez. Là où tu te trouves. Et toi qui m'écoutes actuellement. Demande pardon à Dieu d'abord. Quand Dieu a préparé des miracles. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Il faut arranger ton lieu de sacrifice. Il faut arranger ton cœur. Et demande pardon à Dieu. Tu veux faire quelque chose ce matin. Que Dieu te pardonne maintenant. Que Dieu te pardonne maintenant. Que Dieu pardonne le peuple. Que Dieu pardonne le peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons fort pour le Seigneur. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lève ta main et dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Le thème que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Que chacun saisit la main de son voisin. Pendant que tu dis cela à ton voisin, dis à toi-même encore. Alléluia. Alléluia. Yelo yakaya. Dis à ton voisin. Un jour apparaîtra devant moi et Dieu fera un miracle pour toi. Dis à toi maintenant. Mon jour apparaîtra et Dieu fera des miracles pour moi. Alléluia. Alléluia. Lève ta main et dis gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Je vais demander à Dieu qui est puissant. Si quelqu'un là est qui croit à la parole, qui croit au thème et à la parole de Dieu, le thème nous dit un jour viendra. Et si tu crois à cette parole, peut-être on dirait un jour viendra. Mais si tu crois, ça peut être maintenant. Ça dit à ton voisin, ça peut être aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Si tu nous veux, lève ta main de gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dans le livre de Daniel que nous avons fait la lecture, la Bible nous dit les ennemis ont pris du temps. Daniel. Combat contre Daniel. Les adjudants ont pris du temps Daniel. Et accusé Daniel. Daniel. Menti sur Daniel. Daniel. Ils ont vu que Dieu va élever Daniel. Daniel. La prière de Daniel les dérangeait. Ils ont commencé à accuser Daniel. Et Dieu s'est tu. Ils ont saisi Daniel. Et Dieu s'est tu. Et Dieu va téléphoner au lion. Dire au lion. Il y a un qui est saint qui arrive. Il y a un juste qui vient. Ne le touche pas. Alléluia. Alléluia. Je parle de quelque chose ici avant d'aller de l'avant. Ce matin, si tu es juste, la tirelem soba, tu es intègre. Ni tirel la poupée soba, when am far la toa kate. Le juste et l'intègre, Dieu le sauve pendant ses souffrances. Yelo yakawa kate. Dis à ton voisin. Si tu es intègre et tu es juste, Dieu va te sauver le jour de ton malheur. Alléluia. Alléluia. Donc acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Daniel était juste. Daniel était un homme de Dieu. Était une femme de Dieu. Job était intègre. Moïse était intègre. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, Dieu a laissé les élus prendre leur temps et combattre contre Daniel. On a saisi Daniel. J'étais dans la foi ce lion. Mais à ce moment, durant toute la nuit, le monde entier, ils ont dit,
Daniel est mort. Les accusateurs de Daniel ont commencé à se réjouir. Les accusateurs de Daniel ont commencé à faire des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. La Bible yel. Mais la Bible nous dit. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas votre amen. Bible yel. La Bible nous dit. À Daniel le jour, le matin de Daniel s'est apparu. Un matin qui s'est apparu. Et c'était le matin de son élévation. Il y a eu un matin qui s'est apparu. C'était le jour que les Juifs devaient avoir la honte. Il y a eu un matin. Et le monde entier a parlé de Daniel. Il y a eu un matin. Et Dieu va amener les accusateurs de Daniel au lieu pour qu'ils divorcent. Je vais te dire. Aujourd'hui, ton jour s'est apparu. Et tu vas faire un miracle pour toi. Je n'ai pas votre amen. Aujourd'hui, ton jour s'est apparu. Bible, la Bible nous dit. Tirimayikame. Le roi s'est levé. Au matin, si vous lisez la parole de Dieu, à part de ce matin, personne n'a pu humilier Daniel. Daniel lui défait. Daniel plus rentré dans ta tête. Après ce matin, Daniel vit pour dans la ville de Daniel. Ce matin, faut pas que pour ce bien vieux. Et le jour de ton ancien gars est révélé. Alléluia. Alléluia. Ne m'en pas que vous n'ayez pas. Restez ici ce matin. Tu sois un absurde yamba. Les sorciers vous persécutent. Tu sois un yamba. Les lions vous font souffrir. Tu winam yélias. Et tu as dit. Massage. Maintenant. Faut bien vous refier gamin. Ton jour. Tu m'as nagé à ma confort. Je veux combattre pour toi. Faut bien vous refier gamin. Ton matin est arrivé. Sois un nation n'a pas souffert. Les sorciers qui te persécutent. M'as nagé à ma confort. Je vais te tirer au pied. M'as nagé à ma confort. La mais il y a un matin et Dieu dit qu'à partir de ce matin-là, tu vas dominer tes frères. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Ce matin, un jour apparaîtra. Les gens vont regarder de loin du fait que Dieu t'a élevé. Je n'entends pas votre amen. Un matin va s'apparaître. Ceux qui vous piétinent, ils ne vont plus vous piétiner. Ceux qui vous accusent, ils ne vont plus vous accuser. Ceux qui vous lient. Dieu va vous délier et vous allez courir avec puissance. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez la Bible, il est comme Kingameti. Babylone de Kingameti. J'avais dit il est. Les Babyloniens sont allés combattre contre Israël et enlever en esclavage une fille, mettre sur le roi. Et considère même pas la fille. C'est une petite fille. Et comme l'Esprit Saint demeure en elle, et elle a dit à sa servante, et si le chef de foyer partait en Israël, il y a quelqu'un là-bas qui pourrait le guérir. Mais comme Naaman obéit, parti. Si vous lisez la Bible, à grâce à la fille, quand Naaman est parti, revenu. Dieu a élevé la petite fille. Je veux te dire, il faut dar bien au vient. Ton matin va apparaître. Dieu fera un miracle et les ennemis auront peur de toi. Alléluia. Alléluia. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Un jour apparaîtra. Ici à Wenetoum. Le ministre de la Je déclare maintenant. Un jour apparaîtra. Dieu fera un miracle.
Personne ne peut détruire cela. Satan de mes sous croyez cela. Si qui doit être ma quoi là. Lève la main pour que si qui doit avoir quatre basses. Lève les mains dans ses mains. Pousse les mains dans nos yeux. Je prie par le Dieu. Où ne t'imagine. Je t'imagine. Derrière on a vie. Un jour viendra. Le faisant t'aimer. Si tu crois. Derrière on vire. Je m'attends là. Comme n'importe par qui comme nous. Ils sont là. Derrière on vire. Et maintenant par. Comme n'importe qui comme nous. Faut détruire les. Derrière on vire. Et maintenant par. Faut n'importe qui comme nous. Tu vas courir. Faut n'importe qui comme nous. Et tu vas y arriver. Faut n'importe qui comme nous. Tu vas courir. Faut n'importe qui comme nous. Tu vas y arriver. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Au matin, quand le roi a dit, Daniel, ton Dieu a pu te sauver. Même pas 2 secondes. Daniel a dit. Oh roi. Alléluia. 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 Même pas 2 minutes. Pas ta minute. Même pas une minute. Pas ta minute. Rima wuma Daniel Kwayega. Le roi a entendu la voix de Daniel. Alléluia. 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 Winam Gom Sentarpangam Beka. Une parole puissante de l'éternel se trouve. Un matin apparaîtra. Nibana wuma for winam asso de classe. Ne suis son panga. Les gens attendent toi des actions de grâce par la puissance du Saint-Esprit. Un matin apparaîtra. Nibana wuma for Kwayega Sujeke. Un pegan winam. Un wawon winam. Un second winam yur. Yetia. Mam winam fagama. Mam winam tarapanga. Mam winam lokama. Mam winam zekama. Rundabala. Nemni fasse tir winam gomkanga. Payo tonesu soba yur. Un jour viendra. Ta voix, toi, élève la voix. Dis, Dieu m'a élevé. Dieu m'a glorifié. À tous ceux qui croient ces paroles, que cela soit pour vous. Au nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Wakat kanga. En ce moment. Le lendemain seulement, on a dit que Daniel n'est pas mort. Tous ceux qui mentaient sur Daniel et ont accusé Daniel ont commencé à trembler avec peur. Écoutez bien. Si Dieu, et si quelqu'un vous calomnie, ment sur vous, il parle mal sur vous, et que Dieu vous élève, ça devient, il a la peur maintenant sur vous, car c'est Dieu qui est en vous. Il est tremblé avec peur. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Que Dieu fasse qu'un jour arrive et que vos ennemis tremblent de peur. Alléluia. Alléluia. Nibambeka. Il y a des gens ici. Nibambeka. Les gens vous appellent les pauvres. Tu es pauvre, pauvre 100%. Foya nampet balantar fo. La rare peur on a vient. Mais un matin apparaîtra. Tu winam na yak nangamba la ce que je suis sauvé. Je vais enlever cet esprit de pauvreté en toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Si vous lisez la parole de Dieu, la Bible nous dit dans Juges, les Émirs ont combattu contre l'Israël. Mais les Mandiens ont faisait souffrir le peuple d'Israël. Mais quand les peuples d'Israël partaient semer, les Mandiens partent et déterrer leurs semences. 7 ans. C'est de la souffrance. 7 ans. C'est des pleurs. 7 ans. C'est des problèmes. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer 7 ans. Nous n'avons pas le temps. Nous expliquons les 7 ans. Ça peut prendre du temps. As-tu dit que oui? Mais si vous me donnez l'opportunité, je vais prendre un autre temps pour vous expliquer ce que signifie les 7 ans. Alléluia. Alléluia. La Bible yele. Mais la Bible nous dit les 7 ans. Irel kama. Le peuple d'Israël. Je te tiens de wetenti solo. Ils partent se cacher dans les champs. La king kama borde ti solo. Ils partent se cacher dans les cavernes. Tiwina miel. Et Dieu dit.
Les sept ans sont passés. Un jour s'est apparu. Et Dieu dit au peuple d'Israël. Je n'ai plus besoin de vous. Je vous délivre. Je vous délivre. Alléluia. N'aie pas peur. Rayesi. Darbe on vaté. Un jour arrive. Beugo navire. Un jour se levera. Tu faut bien baquins faut. Tes yeux vont te chercher. La bien faut. Ils vont te voir en tout gué. Et ils vont plus te reconnaître. Alléluia. 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 Je veux vous parler d'un témoignage qui est réel. Ça ne passe pas trois semaines de ce jour. Une femme m'a rencontré avec deux enfants. Et elle a été repudiée de son mari, ça vaut 12 ans. Mais son mari a de la bénédiction. Les gens ont pu briser son foyer. Et même la famille de son mari haïsse la femme. Et les gens haïssent la femme. Et les sorciers ont brisé le foyer. Et cherché une autre femme pour l'homme. Et la femme a dit, je me confie à Dieu. Je sais qu'il y aura un jour et Dieu combattra pour moi. Un jour il le verra pour moi. Et Dieu va juger. Alléluia. Alléluia. Et la femme est partie et elle, il a amené une autre femme encore. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Et Dieu dit à la femme, un jour va se lever. Et tu vas me rendre grâce. 12 ans. Dis à ton voisin. C'est 12 ans. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens. Dans la souffrance dans laquelle ils se trouvent, ils sont découragés avec Dieu qui a abandonné Dieu. Celle-là, c'est 12 ans. Un jour, dans la matinée, et son mari a laissé le travail. Et il est parti se toucher pour aller au travail. C'est une commerçante. Et elle entendait au niveau de sa porte, il y a quelqu'un qui tapait. Ses deux enfants étaient avec elle là dedans. Et les enfants sont allés voir et revenir dire à leur maman, il y a un homme au dehors. Les enfants même ne reconnaissaient plus leur père. Le papa a chassé la femme et les enfants ne voulaient même plus les voir. Et la femme dit à ses enfants,
enfant. Amenez-le dedans, j'arrive. Et elle a fini de se toucher. Prend son petit déjeuner. Quand elle a ouvert la porte, c'est son ancien mari. Il est 12 ans. Et la femme de qu'est-ce que tu cherches ici? Qui t'a appelé? L'homme a commencé à pleurer en disant. L'Éternel m'a dit de venir te demander pardon. Les gens sont ratés entre nous, nous divisés. Les ennemis étaient entre nous. Je suis là par le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis là de tout cœur. Ce jour-là, que Dieu a arrangé le foyer. Et la femme a dit à ses deux enfants, c'est votre papa qui nous a répudiés, c'est lui ainsi. Le jour de la femme s'est levé. Et Dieu a fermé les gueules des lions et des méchants et lui retourna son mal. Je veux te dire ce matin, quel que soit ton problème, quel que soit le combat, quel que soit le combat, quel que soit tes liens, quel que soit les méchants de toi, un jour va se lever. Ce sera un miracle pour toi. Un jour se lèvera et tu vas aller au lit pour toi. Je déclare maintenant, si tu crois aujourd'hui, c'est possible. Demain, c'est possible. Après demain, c'est possible. Mais selon moi, maintenant, Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Il a dit que ce soit possible à Dieu. Ton jour va se lever. Toi qui pars te cacher, tu n'as plus de cacher. Toi qui es en esclavage, tu n'es plus en esclavage. Tu vas sortir de là. Dieu m'a béni. J'ai la santé. Je fais des actions de grâce. Par le nouveau salaire d'alliance. Aujourd'hui, dans ce moment, ton jour va se lever. Mais un miracle soit opéré. Acclamez le Seigneur ce soir. Où est-ce que nous pouvons sauver? Alléluia. 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 La Bible nous dit que ce que ton cœur désire, c'est ce que Dieu te donne. Je connais un homme de Dieu. Et il est décidé. On l'appelle Rina Bonke. Au moment que Dieu l'a appelé, si vous lisez dans ces documents, Dieu l'a appelé à 21 ans. Et après 21 ans de son appel, son ministère n'était pas épanoui. Les gens disent, est-ce que Dieu t'a appelé? Ton ministère n'est pas épanoui. Il a jeûné en vain, prié en vain, allé dans les semaines de prière, parti dans les conférences. Mais un jour s'est levé devant lui. Dieu lui a envoyé ce jeune homme de Dieu qui est vieux. On dit que c'est un vieux de 90 et quelques. Alléluia. 99 et quelques. Alléluia. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, écoutez bien, quand son jour s'est levé, le roi a appelé Daniel. L'homme de Dieu, le vieux là, Dieu lui a dit, un jour se lèvera. Je vais envoyer un jeune homme vers vous. Prie pour lui. Je vais transférer l'autorité que tu as à ce jeune homme là. Et Rena Banque a pris son vol, aller là où se trouve le vieux. Il demande là où se trouve le vieux pasteur. Les gens ne voulaient pas l'indiquer. En Europe, si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas son numéro, tu ne peux pas avoir là où il se trouve. L'Esprit Saint a
diriger le jeune homme. Il est allé s'arrêter devant une cour. Il voit devant la porte écrite. On a écrit le nom du vieux. Il y avait une écriture au-dessus. Au niveau de la porte, le vieux avait écrit: j'attends le jour qui va se lever et que Dieu va envoyer le jeune homme envers moi pour qu'il puisse lui transférer l'onction que Dieu m'a donnée. Je veux te dire aujourd'hui: Dieu t'a mis devant la porte, mais sur ta porte on a écrit: et ton jour s'est levé et tu vas recevoir de la part de l'Éternel. L'homme de Dieu a tapé à la porte. Un enfant a ouvert la porte. Le vieux étant tenant a dit: laissez les jeunes hommes qui ont dehors de rentrer. Je vais te dire ce jour: tu es devant la porte, mais tu vas rentrer de recevoir la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas fini. Quand le vieux l'a vu, il n'a pas salué, il n'a pas donné à boire, il n'a pas donné à manger. C'est ce jeune homme là. Le vieux l'a saisi. Le déposé à terre. La pièce sur terre. Lui dit: je te donne l'onction que Dieu m'a tout donné. Au moment que le vieux a fini de parler, le vieux est tombé et mourir. Écoute bien. Il y a une parole que je vais te dire ici de tout mon cœur. Non, faut pas attendre au mieux. Tu veux pas entendre. Écoutez-moi bien. À ce moment, quand il s'est levé, il faisait des miracles. Le don de guérison et Dieu l'a élevé. Il y a quelque chose qui est caché à ce niveau. Vous ne voulez pas entendre. Vous voulez entendre? Vous voulez entendre? Écoutez bien. Alléluia. Alléluia. Qui va dans l'histoire, on nous dit: ni qui marika nora en coin yolam belegan ki. Le vieux a pris toute son onction, lui transférer et tomber et mourir. Alléluia. Alléluia. Paul sous Saba Jésus, son anachua, à transféra, bam panga, bam nora, bam arjaka, en coton. Il y aura un passé qui dit ton tanore, la panga, la raudo, la vie, et qu'elle ne suit son panga, ne suit son passé qui sourit. Notre Seigneur Jésus, avant de mourir, quand il mourait, il nous a transféré sa puissance, sa bénédiction au nom de Jésus-Christ pour que nous puissions aller de l'avant dans le ministère et dans toute notre vie. Faut prêcher encore, prêcher. Les bons passés, les bons passés. Faut prêcher. Alléluia. 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 Runda balas. Aujourd'hui seulement, ton jour s'est levé. Tu boum fanpangna ke foro. Et tu vas recevoir toutes sortes de puissances. Les pieds vont rentrer en toi. La connaissance de Dieu entrera en toi. L'intelligence même va rentrer dans ce monde. Les miracles de Dieu vont rentrer dans l'église. Jésus est mort. C'est une puissance. Il a prélevé son orgueil. Prélevé ses pieds. Tous ses miracles. Tous ses victoires. Placé dans notre vie. Bonjour à ce moment. Ton jour s'est levé. Reçois cette puissance de Dieu. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Wina panga la kene mama sa la parole de Dieu. Wina kugumana ni madeba. 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 La puissance de Dieu. Wina panga la puissance de Dieu. Wina panga la puissance de Dieu. Wina panga resomete. Remasa. Hallelujah. Hallelujah. Ton jour se lèvera. Alléluia. 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 Alléluia.
Dis ton voisin. Yelo yaka. Rankang balad. Ce même jour. Les jeunes vont tomber en défaite. Rankang balad. Ce même jour. Rima yelam tu m'yongorotuba. Nibni sinda roda Daniela. Le roi a dit de saisir tous ceux qui ont accusé Daniel et les mettre dans la fosse au lion. Runda. Aujourd'hui. Darbe on a vu. Un jour se lèvera. Yam nambe yinga. Vous serez au dehors. Tu sauves la niwesa. Gingamana wenaga waba soba la niwesa. Ti yampe yinga. A saude e yinde. Amparamwena. La man asu de kase. La yam yinde etia. Ya anna mountain nera oto. Voilà. Ton jour va se lever et les lions vont dévorer les sorciers. Et toi, étant au dehors, tu vas faire des actions de grâce pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il a dit qu'elles sont impossibles à Dieu. La Bible nous dit il y a un homme qui est né avec un handicap. Il a fait de toutes ses forces. Si vous lisez dans Luc et dans Jean, il a pris sa main, allait déposer au bord de la rivière. Il a entendu que de temps en temps, il y a un ange qui vient agiter l'eau. Mais pendant que l'ange agite l'eau, les malades qui ont des accompagnants, ils prennent leur malade et jettent dans l'eau et ils reçoivent la guérison. Alléluia. Alléluia. Ta fin. Chaque jour. À bébé. Il est là-bas. Darfin. Chaque jour. Yumfin. Chaque nuit. Darfin. Chaque jour. Yumfin. Chaque année. Voilà. Darayamre. Un jour. À Jésus et le Carambise. Jésus était avec ses disciples. Si son yé là Jésus. L'Esprit Saint dit à Jésus. Va au niveau de la rivière de Bersada. Alléluia. Alléluia. Rakanga. Ce jour. Mit. L'handicap, son jour s'est levé. Alléluia. Son jour s'est levé. Parce que soit Jésus nous pose la question. Veux-tu être guéri? Le malade a répondu. Seigneur, tu sais, faut mimi. Moi-même je veux. Ma main a ratamé. Je vais être guéri. Écoute bien. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Ne vous soyez là. Les gens qui m'écoutent actuellement. Pour l'internet pour même sur les YouTube et le Facebook. Écoutez bien la parole de Dieu. Écoutez bien la parole de Dieu. Veux-tu être guéri? Pourquoi tu as fermé la bouche? Tu ne peux pas dire répondre oui. Tu veux être guéri? Il y a des gens ici. Il nous dit. Quel jour? C'est à quel jour? À quel moment? Quel jour? Depuis de l'année, tu parles. Quel jour? Rabougo, faut qu'on ait 4 fois. Rabougo. Quel jour? Rabougo. Jésus-Christ est là. Et Jésus-Christ dit. Je bats demain. Pas bien, oui. Runa. Aujourd'hui, faut bien revenir. Ton jour s'est levé. Faut mara bien revenir. Le jour de ta guérison s'est levé. A Jésus y est le pada. Jésus a dit au malade. Récupère. Prends ta natte. Récupère. Prends ta natte. Pilpira. Il faut rouler cela. Alléluia. Alléluia. Pilpira. Roule ton natte. Pilpira. Roule ta natte. Pilpira. Roule ta natte. Yelo yaka. Pilpira. Il faut prier ta natte. Alléluia. 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 Donnez-moi un paille, je vais faire prendre l'exemple tout de suite. Vite. Un paille. Ouais, alléluia. Alléluia. Un paille. Ça arrive. L'obé. L'obé. Pire la auto. Voici la natte. Alléluia. 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 Écoutez bien. Rawabe pire. L'homme se trouvant sur la natte. Il y a des gens qui se trouvent dans ces moments. Depuis votre naissance, vous êtes placé au milieu de la souffrance. Vous êtes placé au milieu de la misère. Et Dieu dit,
ton jour s'est levé. À Jésus est là, comme ça. Jésus a dit au malade, récupère, prends ta natte. En ce moment, le malade couchait, était couché sur quand Jésus parlait, à Jésus Wangwanda, il a commencé à signer pour croire, pour se débrouiller, se lever. Il se débrouillait. Et quand il se débrouillait, à il a commencé à faire des mouvements. Il s'est bien tenu très haut. Je vais te dire aujourd'hui, chaque jour tu t'efforces, mais ça ne te donne rien. Tu t'efforces. Toujours ça ne va pas. Le jour se levera. Et Dieu dit, tu vas t'efforcer. Mais tu vas tenir tout droit. Alléluia. Alléluia. Et Jésus dit, récupère. Prends ta natte. Le malade a commencé à prier sa natte. Il dit, la faiblesse est finie. Premier pli. Le premier pli. La faiblesse est finie. Deuxième. La pauvreté prend fin. Troisième. La misère prend fin. Quatrième. Les ennemis seront confondus. Ce n'est pas fini. Nakasaye. Cinquième. Alléluia. 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 Cinquième. Mamlebaga barakneta. Je suis un homme béni. Sixième. Nebanaya mamzekrep tenga pourma. Les gens feront mon élévation dans la ville. Septième. Pumni sinayi kasheto. Ce qui sera témoin. Ya running fosina tukpira e ketenga la kenda la hinoa na yi kasheto tuwinam kitame tu fopiora arfiege. C'est le jour que tu vas prendre ta natte, mettre sur ta tête, tu rentres dans la ville, tu chantes, c'est celui qui prouvera que non, que Dieu t'a libéré. L'Esprit Saint dit alors, na yile ti kasheto, pour que ce soit témoin, témoignage, que ton jour s'est levé. Prends ton natte. Mets cela sur tes épaules. Et il a pris sa natte. Mets-le sur ses épaules. Et commence à rentrer dans la ville. La biga, la sison lourde. Je dis pas le nom de Dieu. Quoi, la parole de Dieu. Pas pour Kina Barrié. C'est pour le Burkina Faso. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Bénin. Amérique. Espagne. Angleterre. Suisse. Belgique. Obnayame. Ils vont voir. Tu fais Kendabes. Tu marches. Tu mordes. Tu marches. Tu poudes. Tu pries. La fortune. Tu travailles. Les chances sont pas sur le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui. Faut bien voir la fille. Ton jour s'est levé. Tu winam nage fort. Tu vas te lever. Faut bien voir la fille. Ton jour va se lever. Tu winam nage fort. Tu vas te lever. En ce moment, je sais que je suis là. Jésus, le malade est comme Sotana, Louyame. Jésus, c'est comme Sotana, Louyame. Mamouina, c'est comme Sotana, Louyame. Mamnawaore, Bawena. Alléluia, Alléluia, mam la pege, mam wena, Alléluia, Alléluia, mam la kilsi, pa wena, Alléluia, Alléluia, mam la wauge, mam bawa, Alléluia, Alléluia, mam patanore, war bamye, champa, Alléluia. Mam patanor na wobamye mam na yeti amena alleluia 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 oh alleluia alleluia alleluia
Hallelujah. 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 Akalama le Seigneur Jésus. Où nous pouvons nous sauver maintenant? La fortune. Je te dis aujourd'hui faut que tu as de l'intelligence, que tu n'as pas d'intelligence, que tu as des biens. Si ton jour se lève, ton histoire changera. Ton histoire changera. Alléluia. 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 Il y a des questions impossibles à Dieu. J'ai un ami à Washington. Et il a enfanté 4 enfants. C'est pas le pasteur Kamasé. J'ai connu cette personne avant Kamasé. Et il a 4 enfants. Mais son premier-né, le diable l'a volé. Et il est quitté aux États-Unis. Ils sont nés là-bas. Venir en France. La France. Mais en France, il y a un président. D'attentorti rebelle sa tor soba dorke dama tor soba yuade ba tor soba nini sont toum tekata tor soba ob nyakayeti la tor soba. En France, c'est lui le président, le délégué, le DG des voleurs, des adultères, des maquis, tout ce qui est impureté, c'est lui le DG. Wagada fan jour de me waton konté ti nyak la compte. Tous les voleurs partent braquer et viennent lui donner, et c'est à lui maintenant de les donner. Et sa maman a pleuré et pleuré. Elle a gêné, prié. Le père a gêné, prié, pleuré. Alléluia. Alléluia. Vous voulez entendre jusqu'à la fin? Un jour, l'Esprit Saint est parti à sa rencontre. Lui dit, je t'ai laissé et tu as fait tout ce que tu voulais. Pour que tu saches tout ce qui se trouve dans le monde. Tu as fait ta belle vie. Tu as bu tellement l'alcool. Tu as fait la fornication. Tu as volé. Maintenant, Massa, je vais te donner de la puissance. Tu seras rassasié de ma puissance. Un jour, le jeune homme s'est levé parti à l'église. Et il est parti se confesser. Demander pardon. Et il s'est confessé. 8 mois après, il est devenu un intercesseur. 1 an, il a été baptisé d'eau. Rempli du Saint-Esprit. Il est devenu un évangéliste. 3 ans après, son papa ne savait même pas qu'il y a eu un changement. Il a organisé la campagne. Son enfant a organisé une grande croisade pour aller en Suisse pour faire une croisade. Tu as utilisé faire des miracles et des prodiges. Et le peuple est venu. On a mis les malades et les paralytiques. Dieu a fait que ses parents étaient dans le salon. Alléluia. Alléluia. Bam syndicale wa. Quand ils ont utilisé leur télécommande et cliqué, Dieu a fait que la télévision qu'il regardait, c'était là où son enfant était en train d'évangéliser. Quand ils ont mis cela en marche, ils voient les gens qui sont en train de danser et chanter. Même pas 10 minutes. Pas 10 minutes. Ils ont donné le nom de son enfant. Dit, c'est un révérend. Dieu révérend. C'est lui qui prêche la parole de Dieu. Il y a un amour ou un amour. Quand l'enfant est venu sur l'autel, ses parents ont vu que c'est ce seul enfant qui tient la Bible pour prêcher. Je vais te dire aujourd'hui, même si ta famille est prise, même si tes enfants sont en train de se faire, même si le diable a volé ta famille, un jour se lèvera. Et tu feras un miracle de faire sortir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Yamimi,
Je ne pourrais pas dire tout ce que Dieu m'a mis à cœur. Il y a beaucoup de questions septième. La Gomzukanga. Il y a beaucoup de choses sur ce thème. Les miracles de Dieu. Est dans ce thème. Si vous me donnez l'autre point, je reviendrai sur ce thème. Écoutez. Mais tous ceux qui vont bien écouter la parole de Dieu. Cette parole de Dieu. Je déclare maintenant. Que dans la semaine. Que je fasse un miracle que tu viens de passer sur lui. Mon jour s'est levé. Alléluia. Alléluia. Il a dit que c'est impossible à Dieu. Il a dit que c'est impossible à Dieu. La Bible nous dit. Que les ennemis de Samson ont pris Samson et rasé toute sa tête. Quand Samson touchait sa tête, il a vu que ses cheveux commençaient à repousser. Et Samson a dit, amène-moi vers le pilier central de l'église. Écoutez bien. C'était le pilier central. Samson a saisi ce pilier pour secouer l'église. Écoutez bien. Le pilier central. Écoutez bien. Vous ne connaissez pas ce que signifie le pilier central de l'église. Le pilier central de la maison. Central. De la le pilier central de la maison. Central de la maison. Il y a tes sous-piliers. Alléluia. Alléluia. Et Samson a saisi le pilier central. Pilier central. Le pilier central. Le pilier central est tellement fort, plus que les piliers environnants. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est les Syri. Le central de la maison là. Pilier numéro 1, c'est quoi? C'est Dieu. Il y a Wena. C'est Dieu. Il y a Wena. Si quelqu'un attrape Dieu, saisit Dieu. Aucun de ses ennemis ne pourra résister à lui. Samson a dit à Dieu, Dieu, les gens m'ont humilié. Et quand ils voulaient secouer, la maison tombée. Et tuer tout le monde, tomber sur tout le monde. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Tous ceux qui t'humilient et qui veulent que tu aies de la défaite dans ta vie. Si tu as saisi Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lui, l'abobo samba, que Dieu fasse qu'il tombe sur eux et qu'il soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il a dit qu'elles sont impossibles à Dieu. Il a dit qu'elles sont impossibles à Dieu. La Bible nous dit que Zacharie, il obéissait à la loi de Dieu. Mais il craignait Dieu. Mes frères et sœurs, si vous voulez, que votre jour soit parmi. Obéissez à la loi de Dieu. Acceptez ce que la Bible nous enseigne. Marchez sur la voie. Marchez sur la vérité. Écoutez bien. Bible la Bible nous que Zacharie. Marie qui n'a pas d'enfant. Il est devenu vieux. On a fait un sort et on a dit que c'est Zacharie qui doit faire l'holocauste. Tout le monde était au dehors et priait. Zacharie a pris du temps dedans. Écoute bien. Quel est le moment? Je vais vous parler de quelque chose. Le crédit de Wenatoum Tchèreba. Église de Wenatoum de. Église de Burkina Faso. Burkina Faso Wendo. Église de Mon. Wendo Gazi Wendo. Je vais parler la vérité. Non, toi, c'est un sida. Église de Saint-Esprit. When I'm seeing son roro. Si Saint-Esprit qui est là. Ya when I'm seeing son père. C'est pas obligé. Pas-il est. Tiam y korong l'air à wakati. C'est pas impératif pour vous de sortir à l'église parce qu'il est l'heure. Si tu es descendu. When I'm seeing son sigia. Si Saint-Esprit est descendu. When I'm seeing son sigi. Si les lances descendent. Malais en sigi. Vous êtes dit. Même dans consomme. Vous allez prendre du temps. La Bible dit, madame Sébraïla, l'ange est descendu.
Zacharie qui a fait le parfum. Les fumées sont parties dans les cieux. Et Dieu dit, Maléka, l'ange, descend rapidement. Gabriel, descend. Il y a un homme intègre de Dieu qui a fait de l'Holocauste. Je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. Runda, aujourd'hui, toi qui écoutes la parole de Dieu, mon, la mar, tu vas faire un sacrifice. La mais ta prière va se comme de la fumée vers l'éternel. Et Dieu va envoyer une aide. Tu vas envoyer du flambeau. Si c'est le combat des ténèbres, il y a l'épée qui arrive. Si c'est le combat des ténèbres, le feu arrive. Si c'est le combat des ténèbres, le feu va venir. Alléluia. Alléluia. Chante avec moi dans ces moments. Singa na melme, daka singa na melme, ya daka singa na melme. Pour terminer, Zacharie a pris du temps avec l'ange. L'ange a dit à Zacharie, Dieu m'a envoyé. Ton jour s'est levé. Et Dieu me dit de venir te dire, toi et ta femme Elisabeth, et l'année prochaine, vous allez enfanter un fils. Écoute bien. Quel est son nom? Je vais parler ici attentivement. Nango masinga masanga masanga. Ba mam sum monde. Même moi qui prêche. Nebambe. Et les gens. Ils doutent avec la parole de Dieu. Obsam dene wena gonda. Le pasteur celui qui prêche là. Pasteur Juni monda. Est-ce que c'est vrai? Ring ya sida. Même Zacharie dit. Zacharie m'a yela. Eh. Hey. L'ange de Dieu. Mouen a maléka. Voilà. Faux. C'est déjà vieux. Même si j'ai un kiem de. Vieux, vieux. Tu as un kiem de. Ma femme aussi. Ma para. Devisez la vieille. Il me lèvera pour yanga. La vieille, yara yara. Y a pour yanga hier quoi à 100%. Y a pas de non somme de. Eh, y a pas de y'a pas de bio. Même les yangwa là, c'est devenu chardo. Ah, pour me faire, y'a rien de chardo là. On a tout ça que faut leur qui. Et je vais t'obéir et mourir. Et l'ange Gabriel dit, Zacharie, faut pas jouer avec moi. La reine m'a amené. Pourquoi tu parles comme ça? Gabriel, faut quoi? Parce que moi, je suis tout man. Est-ce que Dieu peut m'envoyer? Je vais te dire que tu vas enfanter un fils. Et puis tu doutes. Tu vas sambaler. Depuis kilomètre 4 que le man wakawa. J'ai quitté des kilomètres pour venir ici. Hein? Zacharie. Zacharie. Pourquoi tu doutes? Gabriel, tu vas sambaler. Si c'est comme ça, hey, Otto. À partir d'aujourd'hui, singing the wakat kanga, jusqu'à t'ouen am kabra pidi, ha, jusqu'aux promesses de Dieu. Faut qu'on le voit mieux. Tu vas plus parler, tu seras muet. Malheur kang me tolerer, alors à pas sûr qu'ouen am la gomde. Là, n'a même pas demandé à Dieu avant d'agir. À pas mal ouen am message ou bien quoi une lettre ou bien libre qui ouen am n'engue libre en Zacharie sur place. Il n'a pas posé de question à Dieu, il a répondu à Zacharie sur place. Je vois dit encore. Là, il a mis ça. Faire attention avec l'homme de Dieu. Mani kous mne wena mtawa. Zacharie j'y pour moi là. Et sur place. A wena mnazir mna. Et il a tourné sa langue. M'para. Fermé sa langue. Zacharie le bon mouka. Zacharie est devenu muet.
Il a dit, l'année prochaine, tu vas enfanter un enfant, on va le nommer Jean. Mais tu fais que tu as douté, tu ne vas plus parler. Écoutez bien. La Bible nous dit que quand Zacharie est sorti, si Zacharie veut parler aux gens, il ne fait que faire des signes. Il fait des signes seulement. Il fait des signes. Et les gens étaient dans la peur. Dis ton voisin. Il ne faut pas s'amuser avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je vais m'appuyer sur cette parole de Dieu. Je ne prêche pas à vous. Je ne prêche pas sur vous. Je ne prêche pas sur Dieu. Tous ceux-là qui ont nié et maudit. Tu faut disant que le jour de ta maison sera pas le jour de l'homme de sa que Dieu fasse qu'il devienne aveugle et qu'il devienne muet au nom de Jésus. Que Dieu fasse qu'il devienne aveugle au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bible yele. La Bible nous dit 6 mois après. La vieille est tombée enceinte. Six mois après, la vieille est tombée enceinte. Ok, donc il y a là, il y a quand même une femme qui est en donc, dis à ton voisin, les femmes qui sont là, elles peuvent toujours enfanter des. Alléluia. 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 Tu connais pour 8 mois après, la Bible nous dit que Zacharie et son épouse ils ont tenté de cacher la grossesse pour que les gens ne se rendent pas au courant. Je vais te dire aujourd'hui, 2 mois après, les gens ont su que Elisabeth est enceinte. Écoutez, si ton jour se lève, que tu veux, que tu ne veux pas, les gens seront, que ton jour se lève, les gens seront, que tu es taillé, les gens seront, que tu es avec toi, les gens seront, les sorciers seront, que tu as besoin de toi, la personne de Dieu, ton jour se lève, mais les gens seront ceux-là. Alléluia. Alléluia. L'air lourd. J'ai terminé ici. Naya, c'est quand? Écoute bien. Qui est le sommeil? Je veux de tout cœur. Prends cette parole. Rekom kanga. Mets ton cœur. Sale vous sourd pour elle. C'est pour la matière seulement. C'est pas pour ce matin seulement. Pour tous les jours. Alléluia. Alléluia. Babi pour la mabra. Mes frères et sœurs. When I'm sure. La Bible nous dit Elisabeth que quand Elisabeth a enfanté, when to pour biga yore. On a dit de donner le nom de l'enfant. Alléluia. Alléluia. Dinneba yele. Les gens ont dit, écoutez la fin du message. Les gens ont dit. Les gens ont dit. De nommer le nom de l'enfant comme le nom de son père. Faut pas laisser. Rapace. Que les gens. Dirigent ta famille. Faut pas laisser. Rapace. Les gens de dehors dirige ta famille, dirige ton emploi. Et toi tu es dedans. Et c'est pas toi qui dirige, non. Pourquoi tu vas laisser? Il y a des gens. Vous avez laissé les gens nommer votre famille. Mais aujourd'hui, c'est toi-même qui vas donner le nom de ta famille.
Étant un prophète de Dieu, je vais sur la parole de Dieu. Je te nomme et je nomme ta famille aussi. Ta grâce de Dieu. Le jour s'est levé qui est la grâce de Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que sa mère a dit nommer l'enfant Jean. Que Jean. À Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Les gens disent. Ayo. Un homme qui a nommé son enfant. C'est l'homme qui doit honorer le nom de l'enfant. Allez-y demander à son père. Et son papa a dit. Dorme le bicle. Dorme le bicle. Faire vite. Son père a dit. Et donnez-moi un bic. Explique à Zacharie. On a expliqué à Zacharie. Hé. Hey, ton femme là. Faut pas. Aurum. Hey, elle a enfanté. La bé, l'octori. La, mais elle est toujours à l'hôpital. Et les docteurs ont dit. De donner un nom à l'enfant. Zacharie a dit. On lui a donné le pic. Le pic. Et il a écrit. Jean-Baptiste. Le nom Alléluia. De c'est Jean-Baptiste. Alléluia. 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 Tu ne m'as dit eh. Il dit eh. Quoi? Point. Ça c'est la miracle. Agnon y a pompandé. Je dis maintenant. Même si ce sont des années. Bonjour, s'est levé et on parlera de toi. Que Dieu fasse cela au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans ces moments, reçois la bénédiction de Dieu. Je déclare maintenant par le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, seulement, bonjour, s'est levé. Bonjour, s'est levé. Dieu va combattre contre tes ennemis. Bonjour, s'est levé. Dieu va t'élever. Ton jour s'est levé. Tu as coupé son ouvert. Par le Dieu le Père. La Bible sur son mur. Le Saint-Esprit. Le sentir. C'est qu'en quoi? T'as bien refait. Que son jour s'est levé. Nous est le Seigneur maintenant. C'est Père sous son Alléluia. 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 C'est qui nous a trouvé aussi son levez les mains pour la gloire de l'Éternel. C'est qui nous a trouvé aussi son levez les mains pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. 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 Si qui nous a tiré au sous-sol. Levez-le pour la gloire de l'Éternel. Mamnawa ke siga song. Mamnawa ke. Mamnawa ke siga song. Mamnawa ke siga song. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Mamnam pega wina, Mamnam pega wina, siga songo. Non, car la mort
Je le connais ces moments. Que chacun dise à l'Éternel. J'ai entendu ta parole. J'ai cru à ta parole. Que fasse que mon jour soit levé. Le jour de ma mission soit levé. Le jour de mon assassinat soit levé. Le jour de mon élévation soit levé. Le jour de ma joie soit levé. Priez par le nom de l'Éternel. Père Céleste. Aujourd'hui dans ces moments. Par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, je prie maintenant. Je prie pour toi maintenant. Parlez-nous au sein de l'alliance. Ton sou s'est levé. Et Dieu combattra pour toi. Ton sou s'est levé. Et Dieu va te lever. Ton sou s'est levé. Sa bénédiction va pleuvoir ce soir. Ton sou s'est levé. Par le nouveau sein de l'Alliance. Aujourd'hui dans ce moment. Par le nom de Jésus de Nazareth. Par le sang de l'agneau. Ton sou s'est levé. Par le Dieu le Père. Le Fils. Le Fils et le Saint-Esprit. Que sa bénédiction demeure. Alléluia. 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 Levez les mains dans ces moments. Recevez dans ces moments. Je prie pour toi maintenant. Aujourd'hui maintenant. Par le nouveau sein de l'Alliance. L'ange a dit à Zacharie. Tu auras la joie. J'ai appuyé cette fessée. Mamtik de Kumkanga. A signé tout. A partir d'aujourd'hui. Fonam Pama Sino Amasa. Tu auras la joie maintenant. Ton jour sera levé. Mais Dieu a écrit ton, changer ton nom. Il va changer ton histoire. Il va combattre contre tes ennemis. Un jour sera levé. Les ennemis qui te persécutent. Dieu va les combattre. Un jour sera levé. Les ennemis vont te voir, mais ils vont pas te reconnaître. Un jour sera levé. Action de grâce. Faut faire des actions de grâce. Un jour sera levé. Dieu va te lever avec puissance. Ton jour sera levé. Dieu va combattre contre les accusateurs. Un jour sera levé. Dieu va faire des prodiges. Par le nom de Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce qui nous est trouvé là. Levez les mains pour la gloire de Dieu. Ne faillez la yakas. Que chacun dise à son voisin. Rarpio confie la fonam pour se wena embarque. Ton jour s'est levé et tu rendras grâce à Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que c'est possible à Dieu? Est-ce que c'est impossible à Dieu? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu nous donne un autre temps, on revient sur ce message. Pour que Dieu vous délivre totalement. Je dis par le Dieu le Père. À tous ceux qui croient, c'est pas demain. Aujourd'hui, ton jour s'est levé. Et Dieu combattra contre vos ennemis. Et Dieu va vous gérer dans ces moments. Que sa bénédiction demeure à vous. Par le nouveau sang de l'Alliance. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Pour terminer, j'ai dit le dimanche passé, le dimanche surpassé, que ce dimanche, nous allons faire une offrande. Pasteur